Eh bien, un grand merci à Maï et Danny Beetle pour ce magnifique morceau de guitare. Maï Beetle, vous êtes un personnage tellement médiatique, on vous voit à la télévision nationale, on vous entend à la radio, on voit votre visage et on lit des articles à votre sujet un peu dans tous les journaux. J'ai noté quelques-unes de vos attributions. Vous êtes entre autres membre de la Commission fédérale contre le racisme. Vous êtes président de la mission Tsigane. Vous êtes aussi expert à l'ONU. Vous avez siégé à la Commission des droits de l'homme et respect des minorités. Vous êtes expert au Conseil de l'Europe pour la question Tsigane. Vous êtes un homme visiblement très 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 occupé. Merci de nous accorder de votre temps et bonjour. Bonjour. Maï Beetle, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans tellement d'instances? Vous êtes tsigane. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour être propulsé comme ça au premier plan des médias? Eh bien, je pense que c'est simple, au fait. Le monde, jusqu'à maintenant, a toujours tenu à l'écart le monde tsigane. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et ça suscite beaucoup d'intérêt, ça suscite aussi beaucoup de questions. D'où la possibilité d'avoir des gens tels que je représente, mais je ne suis pas de loin le seul à le faire. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont prêtes à parler, à discuter. Et c'est donc uniquement dans ce sens-là que je suis devenu un peu médiatisé. Et en tant que tsigane, vous êtes très sensible au respect des minorités. Tout à fait, car il me semble qu'une vie ne peut pas être composée simplement de majorités, il y a des minorités aussi, et ce qui fait toute la culture, telle que la Suisse. Nous sommes dans une Suisse où il y a plusieurs cultures, et c'est ça qui fait la richesse de la Suisse. Donc, ignorer une culture équivaut à ignorer la Suisse. Donc, vous pensez que les minorités, notamment agissantes, sont importantes? Tout à fait. Et donc, vous êtes engagé dans ce combat. Oui, tout à fait. Et le fait, justement, c'est de faire entendre la voix de cette minorité, d'où... le Conseil fédéral et au niveau de toutes ces commissions, je siège et j'essaye de maintenir un peu le flambeau, non seulement d'une minorité, mais aussi surtout d'un homme engagé et d'un homme de foi. Oui, parce que vous êtes non seulement d'une minorité en tant que tsigane, mais vous êtes un chrétien évangélique. Vous êtes aussi prédicateur tsigane, c'est un aspect qu'on connaît peut-être un peu moins de vous, mais cela est vrai aussi. Tout à fait, et il s'agit simplement d'un appel tout simple, et face à la misère, à la difficulté, à la déchéance humaine, aussi parmi notre peuple, je pense que d'avoir des prédicateurs, des gens qui sont là comme un peu des garde-fous, pour dire aux gens, voilà le chemin qu'il y a à suivre, c'est quand même important. Et c'est important aussi de pouvoir aussi dialoguer, de discuter et essayer de faire comprendre aux gens le beau message au fait que Christ nous a laissé. Pour vous, c'est une bonne nouvelle? Tout à fait, une très très bonne nouvelle, car rendez-vous compte, un peuple qui a toujours été pourchassé, qu'on a tout le temps rejeté dans toutes les sociétés, et qu'on a mis à mort, on a fait même des battus pour tuer les tsiganes. Et tout à coup, un Christ qui vient et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », et il dit encore d'autre part « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi ». Vous vous rendez compte, ça a été une chose extraordinaire pour nos tsiganes rejetés. Enfin, quelqu'un qui a les bras ouverts pour nous accueillir et nous respecter aussi, tels que nous sommes. Ça a été la découverte d'une foi vivante pour les tsiganes. Ça a été une très très grande découverte, quoique le peuple tsigane a toujours été très croyant. Mmh. Mais l'évangile nous a fait comprendre que Jésus existait. Auparavant, on avait beaucoup de manières de voir un peu différentes, mais aujourd'hui nous avons découvert, à travers la Bible, quelque chose d'extraordinaire, et c'est ce que nous essayons de faire, de partager au fait, à travers notre vie, à travers aussi notre manière de faire. Dites-moi, en
francophonie, en Suisse, en France. Est-ce que vous êtes nombreux parmi les tziganes à être aujourd'hui des chrétiens évangéliques ? Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'en francophonie et dans le monde, nous sommes environ 500 000. 500 000. 500 000 tziganes convertis et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Mike Bittel, j'ai entendu dire, nous avons un peu l'occasion de parler particulièrement ensemble, mais c'est le propre de cette émission, elle s'appelle « À bâton rompu » et eh bien c'est vraiment « À bâton rompu ». J'ai entendu dire que vous aviez fait une expérience qui avait été importante pour vous, que vous aviez vécu un terrible accident et que cette expérience vous avait apporté quelque chose. Pourquoi? Comment? Eh bien, c'est tout simple. Il s'agit d'un jour où j'ai pris la moto et je voulais aller visiter des gens du côté de Yverdon. Et là, sur un petit chemin, avec une moto, le danger de la moto, c'est quand il y a du sable, enfin des petits graviers. Et là, tout à coup, le gravier aidant, je me suis vu porter un peu de côté. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'éviter, et en essayant d'éviter, j'ai passé par-dessus la moto, parce que je suis arrivé dans un champ. Donc je me suis dit, bon, c'est pas bien grave, le champ, c'est pas si terrible que ça. Et chemin faisant, comme dans mon jeune âge, j'ai fait du karaté, du jujutsu, donc je savais comment tomber. Oui. Mais voilà que la moto aussi, elle a commencé à tourner. Et lorsque j'étais par terre, comme ça, la moto m'est passée par-dessus moi, donc par-dessus, et m'a cassé 5 côtes. Mmh. Et il y a une des côtes qui a perforé le poumon. Et donc, c'était assez important pour moi. J'ai fait les 16 ou 17 kilomètres encore avec la moto jusqu'à l'hôpital où j'ai été accueilli. Mmh. Alors, ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. Suite à cela, j'ai attrapé une embolie pulmonaire. Mmh. Et face à cette embolie pulmonaire, il s'est passé quelque chose d'assez... J'avais toujours mal, j'ai demandé au médecin de venir. Et là, c'est là que ça s'est passé. Alors, pour dire un peu, il y a la chambre, je vois ma femme qui est à côté de moi, et moi, que ça n'allait vraiment pas. Tout à coup, ils sont venus tout autour de moi, ils regardaient ce qui se passait, ils ont fait un électrocardiogramme, et là, la tension descendait, et j'étais descendu jusqu'à 5, et ça descendait encore. Donc, tout à coup... Je me suis vu sortir de mon corps. Donc, ça s'est passé comme ça. J'entendais le tut, c'était fini, donc le cœur ne battait plus. Et là, c'est là que ça s'est passé. Dans cette chambre, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu comme un grand tunnel qui est venu à moi. C'est pas moi qui suis allé vers le tunnel, il est venu à moi. Et c'était une lumière qui était vraiment extraordinaire. Il y avait tellement une lumière qu'on pouvait regarder et qui, si on voit le soleil, on est ébloui. Mais c'est une lumière qui nous éclairait, qui ne nous éblouissait pas. Et à ce moment précis, je me voyais sortir de mon corps et rentrer donc dans ce tunnel. Et je vois toujours devant moi, comme ça s'est passé, je me voyais partir et tout à coup, je voyais des gens je ne peux pas les appeler des anges, je ne sais pas ce que c'était, mais enfin, pour m'amener justement de l'autre côté de ce tunnel. Je savais qu'il y avait la paix, j'avais très mal et ensuite il y avait la paix, je ne sentais plus rien du tout. Et c'était extraordinaire, mais je voyais ma femme et je voyais les docteurs qui étaient en train de courir à droite à gauche. Et tout à coup, une pensée m'est venue et dit, « Seigneur, je suis tellement heureux d'être maintenant, mais il y a encore du monde ici qui ont besoin de moi. » Et tout à coup, comme quelqu'un qui m'aurait dit, « Va, retourne. » Et je suis retourné dans mon corps, et à ce moment-là, j'ai ressenti le mal. C'est à ce moment-là que j'ai tout ressenti, toutes ces choses-là. Alors, ça, non seulement j'y croyais, j'ai toujours cru qu'il y avait un au-delà, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose après la mort, mais maintenant je l'ai vu. Et je suis là aussi pour pouvoir témoigner de ce que j'ai vu.
Et c'est une chose qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ceux qui disent qu'après la mort, c'est fini, tout est fini, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je crois que je ne suis pas le seul à avoir fait des expériences comme ça. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait ces expériences. Et c'est une chose extraordinaire. Donc, ce que je peux dire, ça vaut vraiment le coup d'être chrétien. Ça vaut vraiment le coup de marcher avec Dieu. Parce que la récompense, elle est vraiment extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. Et de voir cette bonté, cette grandeur, cette paix, cette lumière, ces fleurs, l'odeur des fleurs, c'est extraordinaire. Ah, vous avez vu des fleurs de l'autre côté ? Oui. Ah bon ? Et c'était vraiment extraordinaire, des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est beaucoup trop grand, je crois qu'il faut vraiment y vivre. Vous avez pouvoir vu y aller. Des paysages aussi, des choses comme ça ? Enfin, disons que j'étais presque à l'extrême, presque en train de rentrer dans le tunnel, mais on pouvait voir de l'autre côté. Je ne voyais pas grand-chose, mais ce que j'ai vu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je voyais une chose qu'on ne peut pas exprimer, la paix. Oui, c'est ça. Et ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas exprimer ça avec des... On est trop faible avec nos pauvres paroles pour essayer d'exprimer ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, au fait. Et cette expérience de l'au-delà a marqué votre vie, alors ? Tout à fait. Ça a marqué tellement ma vie que maintenant, vous savez, des problèmes et des difficultés, je pense qu'on en a tous. Oui. Et malgré les problèmes et difficultés, je pense qu'il y a une chose, il faut continuer. Il faut continuer, pourquoi ? Il faut parler de ce qu'on a reçu, et d'amener cette bonne nouvelle. Non pas une religion, parce que la religion ne nous apporte rien, au fait. Mais vraiment la bonne nouvelle du Christ, que Jésus est vraiment la vérité. Ah. Et ça, je peux le prouver à travers ce qui s'est passé. Et vous voyez des gens se tourner vers Jésus-Christ. On dit qu'on est une époque où beaucoup d'églises se vident. Toutes ne se vident pas d'ailleurs, mais... Peut-être que dans certaines églises, elles se vident, mais c'est toujours pour en remplir d'autres. Ah. Alors, je pense que l'être humain est arrivé à un ras-le-bol. La religion, les églises n'ont plus rien à leur apporter. Pourquoi ? Eh bien, en gros, bien tout simplement parce que les dogmes et les manières de faire, ça ne suffit pas pour l'être humain. L'être humain a besoin de quelque chose dans son cœur. Mmh. Il a besoin de quelque chose dans sa vie. Et malheureusement, une grande partie des gens sont blasés de l'église, tout simplement parce qu'ils n'ont rien reçu. Alors, ils suivent une tradition, mais au bout d'un moment, on se rend compte que ce n'est pas comme ça, la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, quand on va et quand on leur parle de l'amour du Christ, c'est un plus. Et les gens se tournent à Jésus-Christ. Et alors, dans le peuple tzigane, est-ce que cette découverte, pour des centaines de milliers des vôtres, cette découverte du christianisme a un impact au niveau de leur vie de tous les jours ? Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change pas grand-chose, au fait. Mm-hmm. En découvrant Christ, il ne nous a pas empêchés de voyager. C'est ça, vous voyagez quand même toujours. On voyage toujours. et la deuxième des choses, c'est que, vous savez, auparavant, il faut dire un peu, il y avait certains tziganes qui avaient un peu des doigts longs. Et ils les laissaient traîner un peu. Et de temps en temps, il y avait quelque chose qui partait avec. Mais on appelait ça prendre des souvenirs. Ah, d'accord. Alors, justement, maintenant, on ne prend plus de souvenirs. On ne prend plus de souvenirs, oui. Alors, c'est ça. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Ouais. Quelqu'un qui était attaché à la bouteille, qui était pris par la bouteille. Alors, souvent de fois, on disait, voilà, tiens, celui-là, il est pris par l'alcool. Non, il est pris par la bouteille, tout simplement, le contenu. Et alors, maintenant, non, c'est terminé. Et des gens qui étaient abandonnés par la médecine, maintenant ils sont en pleine vie et ils témoignent de l'amour du Christ. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de phénoménal. Donc, il n'y a rien eu qui a changé au fait d'être un tzigane, mais au moins, nous sommes heureux maintenant. Vous êtes heureux maintenant, ça c'est super. Vous faites allusion à la médecine, à des gens qui étaient abandonnés par la médecine, et puis il s'est passé quelque chose pour eux. Est-ce que vous pensez à des miracles ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des miracles ? Bien sûr, bien sûr. Vous le dites comme ça. Oui,
Alors, comme si c'était quelque chose d'évident. Oui, tout à fait, tout à fait. Il suffit de mettre la confiance en Dieu. D'ailleurs, je vais vous raconter un petit témoignage qui s'est passé chez moi. Donc, je ne peux pas raconter, parce que des témoignages, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent parler de cela. Mais j'aimerais bien parler de ce qui s'est passé chez moi. Alors, il s'agit d'un jour où je devais partir en mission. Partir pour aller donc prêcher la parole de Dieu. Et mon petit enfant, qui était âgé d'un an et demi, il était en train de se promener comme ça, il marchait, et tout à coup j'entends un cri. Et qu'est-ce qui se passe? Le petit, il vient chez moi, il saignait. Je dis, bon, peut-être qu'il est tombé, vous savez, les petits, ça tombe, puis ça saigne, puis ensuite ça... Bon, tout à coup je regarde et je dis, mais tiens, je vais quand même regarder dans la bouche, je mets le petit doigt comme ça pour regarder à l'intérieur, et en ôtant le petit doigt, il y avait la moitié de la lèvre qui m'est restée sur le petit doigt. Ensuite, les gens ont commencé à crier. Ils ont dit, tiens, il a bu de l'acide. De l'acide. Il y avait des gens qui étaient en train de décaper des meubles, et ils utilisaient des acides pour décaper. Et le petit, sans même... les gens s'étaient tournés, puis il a bu de ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'enfant, je l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, le docteur en ébullition regarde, ah, qu'est-ce qu'il y a en... C'est une révolution là-bas dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Il regarde l'intérieur et il ne pouvait même pas passer pour regarder l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il disait, eh bien, écoutez, si votre enfant vit, ça serait un miracle. Et déjà d'autre part, eh bien, il ne pourra plus jamais manger. Il devra manger avec des piqûres. Ce moment venu, je lui ai dit, écoutez, si vous ne pouvez rien faire, moi je connais un docteur qui est plus grand. Et en rentrant chez moi, je laissais le petit à l'hôpital, en rentrant chez moi, avec ma femme, on s'est mis à genoux. Et on a demandé à Dieu. Tout simple. C'était vraiment pas une grande prière, il n'y avait rien de miraculeux dans la prière, mais l'intervention de Dieu a été extraordinaire. Alors, le lendemain, parce que je devais partir le lendemain, et j'avais dit au docteur, demain je viendrai chercher mon petit. Le docteur me prenait pour un fou. Le petit, tout était brûlé à l'intérieur. Et en arrivant là-bas, je dis, ben je viens chercher mon petit. Il dit, oui, il est là-bas. Alors je le vois toujours, il est un grand, et puis il y a ses fins comme ça. Alors il faisait comme ça avec ses épaules. Il dit, écoutez, vous pouvez le prendre, il n'a rien. Il dit, comment il n'a rien? Pourtant, vous m'avez dit que tout était brûlé. Il a dit, oui, oui, je ne pouvais même plus passer, que tout était brûlé à l'intérieur. Ensuite, quand vous êtes parti, j'ai voulu revoir, parce qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait. Vous étiez trop sûr de vous. Je lui ai dit, non, moi, je ne suis pas sûr de moi, je suis sûr de lui. Et le petit a été entièrement guéri. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, il a 22 ans, et il prêche la parole de Dieu. Voilà un miracle qui s'est passé chez nous. Et donc, il y a des traces aussi à l'hôpital de Genève de cela. C'est très intéressant. Maï Bittel, vous faites allusion à un de vos fils. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Comment est-ce que se compose votre famille? Eh bien, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons et une fille. Les 3 garçons sont mariés. Et actuellement, je dis bien actuellement, je suis grand-père de 5 petits-enfants. Alors, je suis un jeune grand-père, mais j'en suis un quand même. J'ai quelques poils blancs ici, là. Et puis alors, dites-nous, vous nous avez dit que vous continuez à voyager. Vos enfants, ils voyagent aussi? Tout à fait, tout à fait. Ils voyagent aussi, ils viennent avec nous, ils prennent leur caravane, ils viennent avec nous, parce que c'est important de pouvoir continuer, donc, non seulement le voyage, quoique il y a des difficultés. Je pense, là, alors, au niveau du voyage, que... Là, les gens devraient quand même prendre conscience qu'on ne demande vraiment pas le Pérou. On demande simplement un petit endroit où on peut rester un petit moment, puis ensuite repartir. On ne souhaite pas s'installer, on reste juste un petit moment. Et là, à ce niveau-là, c'est un peu difficile. Est-ce que vous expérimentez la parole de Brassens dans une chanson qui dit que les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux? Tout à fait. Et ça, c'est bien vrai. Les braves gens devraient se rendre compte, vu qu'ils sont braves, de pouvoir ouvrir aussi leurs portes et leur cœur à une minorité que nous représentons. Voilà. Est-ce que vous sentez, Maï Bittel, aujourd'hui, en cette fin de XXe siècle, est-ce que vous sentez encore du racisme? Est-ce que ça existe encore? Très franchement. Malheureusement, je suis obligé de dire oui. Oui. Car le racisme est un peu plus, je pourrais dire, beaucoup plus
fin maintenant là. Mmh. On essaye par des lois, on essaye par des règlements communaux, on essaye tout simplement à faire des choses. Et à ce niveau-là, c'est ce qui est donc un des points racistes. C'est ça. Mai Bittel, vous jouez extrêmement bien de la guitare et je crois que ce serait important de mentionner aussi ce que vous avez produit là, vraiment quelque chose de magnifique. C'est un plaisir de vous entendre jouer avec des membres de votre famille. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est tout simplement... Un CD ? Oui, un CD que j'ai décidé avec ma famille de faire. Donc, j'ai intitulé ce CD « Évasion ». Donc, ce que je demande aux gens qui veulent écouter, c'est de s'évader avec nous, faire un petit bout de chemin avec nous. Et vous verrez qu'on ne mord pas. Au contraire, on est très heureux que vous puissiez faire une petite tournée avec nous dans nos caravanes. Oui, c'est absolument épatant, effectivement, on se sent un peu dans le monde tzigane. Donc, pour les personnes qui désireraient cette cassette, Mai Bittel et famille, parce que la famille est très importante pour vous, eh bien, les personnes peuvent nous téléphoner et nous feront le nécessaire pour qu'elles puissent recevoir cette cassette. Vous la vendez, bien sûr. Oui, c'est ça. Bien. Mai Bittel, peut-être une dernière question. Nous avons parlé de racisme. Mmh. Est-ce qu'il y a un remède au racisme ? Je pense que oui, il y a un remède. Oui. Le remède, à mon sens, c'est celui-ci. Par le bon vouloir des gens, ils n'arriveront jamais à ôter leur racisme. Ou, par exemple, la manière de faire, ça n'ira jamais. Parce qu'automatiquement, on tombe dans un travers différent. Pour moi, c'est en découvrant Christ que les barrières que j'avais vis-à-vis de la majorité, les gadgets, eh bien, est tombée. Et maintenant, je peux dire que ce sont mes frères. Le racisme est parti. Et j'essaye pas simplement de vouloir mettre quelque chose, de pouvoir imposer, mais c'est comme ça, c'est en découvrant Christ, que le racisme peut être vaincu. Eh bien, Mai Bittel, nous vous remercions beaucoup de votre témoignage, spontané, vivant, intéressant, et nous nous réjouissons déjà de vous accueillir prochainement, pour une nouvelle occasion. Merci. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accueillis chez vous, et à la prochaine fois. Au revoir.